Bien, de Sailly en position de débordement, en position d'ailier droit. Un cas de figure que l'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Et un corner rentre en Franck Sauzé tendu, c'est sûr. Ça revient pour une seconde tentative. Deuxième essai. Second poteau cette fois-ci. Ah là, il y a Laurent Blanc. But de Laurent Blanc. À la deuxième minute, c'est-à-dire à la 47e minute. Varié, la frappe de Franck Sauzé et le nouveau Stéphanois au second poteau. Ah voilà qui va complètement décontracter l'équipe de France. Bien frappé de l'intérieur du pied avec l'arête interne. Le gardien Jaconen est un tout petit peu à la pêche. Et Laurent Blanc doit marquer son troisième but. Septième. Non mais son troisième est dans le groupe. Ah oui, dans le groupe. Et septième but en équipe de France, c'est ce que je regardais sur les remarquables. L'intention vaut l'action. Ah oui, non mais le premier coup, il l'avait raté. Je crois pas qu'il l'ait fait à l'intérieur. Je pense que c'est à l'extérieur. Non, c'est à l'extérieur. Ils l'ont montré, Thierry. Oui. Mais je crois que M. Lodge. Il est allé se préoccupe hier de savoir. Si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais il est allé voir Monsieur Lodge tout de suite. Le, son assesseur, mais Thierry. Oui. Non, mais il est allé voir l'endroit où ça s'était produit. Enfin bon. Mais il n'a pas vu le ralenti. Il est à l'extérieur, Thierry. Mais il le montre d'ailleurs. Alors, Jean-Pierre Papin, avec un ballon qui. Et 27e but de Jean-Pierre Papin sous le maillot tricolore. 10e minute. 55e minute. La différence est faite. Les Français qui sont peut-être aux USA, non? Oh, pas loin. Si le résultat de. Si j'étais à 7 chances sur 10 avant ce match, oui, actuellement là, ils sont à 9 chances sur 10. Oui, il leur manque un point. Il leur reste deux matchs à jouer contre Israël et la Bulgarie. Et la Bulgarie, les deux matchs à Paris